Coucou, bienvenue dans mon cocon aménagé en carton. Alors, ça faisait plusieurs fois que je vous ai montré la table. En fait, dans les autres vidéos, elle est coincée ici. J'ai un mini tendeur là que vous voyez. Et en fait, elle me sert, enfin, ce tendeur-là me sert à coincer la table. Là, tout à l'heure, je vais me préparer à manger. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma mini cuisine face à la nature. Et je me mettrai assise sur le petit coussin là que vous voyez ici. Et puis après, ben voilà, je vais manger face au sapin. Alors pour la petite histoire, en fait, j'ai vraiment calculé, je vais vous montrer. Vous voyez tout près. Vous voyez, j'ai vraiment calculé j'ai fait sur mesure en fait, hein. J'ai coupé ici. Vous voyez, là, hop, hop, hop. J'ai même fait une petite encoche pour la porte. Et là, de l'autre côté, j'ai fait pareil. En dessous, j'ai un rideau. En fait, il y a les petits machins là pour attacher. Et puis vraiment, quand il y a trop de vent, vous voyez, il y a une petite ficelle là. Comme ça, je peux l'attacher et puis le rideau, il s'envole pas. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir vraiment un petit coin. Vous voyez, j'ai mon kangourou, ma petite couchette. Et puis après, quand j'ai envie de manger, des fois il fait froid et tout. Nous, dans le nord-est, des fois dans les Vosges, j'en ai froid. Et ben avec ma petite table, je peux encore profiter du plein air, tout en étant à l'intérieur. Voilà. Demain, je vais vous montrer un petit peu l'isolation du kangou. Évidemment, elle est aussi faite en carton. Donc, je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Ouais, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.